Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo je vais vous parler de Chang'An, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus. Elle est partie d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner eh bien, des bâtisseurs dans la ville de Chang'An, en Chine, et ils vont essayer de construire la ville au mieux pour gagner le plus de points de victoire. On va euh, tout d'abord placer des cartes aux portes de la ville, donc au-dessus du plateau de chaque joueur, et ensuite on va venir les construire dans les quartiers. C'est ça qui va nous apporter des points, principalement. On va avoir également des cartes qui nous apportent du scoring supplémentaire. On va faire ça avec des cartes qui proviennent de paquets différents. Vous voyez qu'on a des cartes avec des dos de couleurs différents. C'est tout simplement qu'en début de partie, en fonction du nombre de joueurs, on va mélanger un certain nombre de paquets ensemble pour créer une combinaison unique, une typologie de partie également, sachant que effectivement, chaque paquet va avoir des accents de gameplay, va changer un petit peu votre partie. La partie va se dérouler en manches, on va jouer chacun à son tour et à la fin du tour de table, une fois que tout le monde a joué, c'est la fin de la manche, on vérifie que la partie ne soit pas terminée, sinon on continue tout simplement à jouer. La partie s'achèvera lorsqu'un joueur a construit 9 euh, districts. Voilà pour les bases. Maintenant, qu'est-ce que je fais à mon tour Eh bien, à mon tour, j'ai une action à choisir parmi trois rechercher, produire ou construire. Lorsque je recherche, eh bien, je vais tout simplement piocher des cartes pour piocher des cartes eh bien je vais soit prendre la carte du dessus de la pioche soit prendre une des cartes qui est visible ici par exemple eh bien je vais récupérer cette porte aussi ensuite on va révéler une nouvelle carte attention vous allez pouvoir payer deux blés euh, donc deux ressources blés de votre réserve pour pouvoir piocher une seconde carte lorsque vous effectuez cette action qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur une carte eh bien sur une carte on va trouver plusieurs informations sa couleur déjà mais on va trouver un pouvoir qui est dans le cartouche supérieur et un type qui va être dans le médaillon juste en dessous du cartouche. On a trois types différents. On va avoir des personnages qui sont activés à certains moments particuliers de la partie, mais lorsqu'ils sont construits dans les districts. De la même manière, les cartes à effet permanent, euh, eh bien, elles vont venir se placer ici et donner leur effet. Permanent l'octroyer une fois qu'elles sont construites, et enfin les cartes de fin de partie qui octroient du scoring, encore une fois, lorsqu'elles sont construites, pas lorsqu'elles sont dans vos portes. On va trouver également un surcoût pour construire et également des ressources qui peuvent être produites grâce à cette carte lorsqu'elle est dans vos portes. Une fois que j'ai fait mon action de rechercher, mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Voilà pour cette action-là. Maintenant, lorsque ça reviendrait à mon tour, je pourrais vous montrer d'autres actions. Donc, par exemple, l'action produire. Si je choisis l'action produire à mon tour, eh bien, je vais euh, avoir la possibilité d'effectuer deux sous-actions jouer des cartes sur une porte et/ou euh, déplacer des cartes vers une porte et activer cette porte. Lorsque euh, je joue des cartes sur une porte, je vais sélectionner une à trois cartes de ma main et les placer sur euh, une seule et unique porte, par exemple comme ceci. Les médaillons que vous voyez ici qui sont visibles vont être assez importants parce que ce sont eux qui vont permettre de produire des ressources. Ensuite, j'ai la possibilité de déplacer et d'activer une porte. Et donc là, par exemple, je vais séparer ce tas-là et venir le placer ici. On va pouvoir déplacer euh, des cartes seulement en tas et une fois par porte vers une seule porte de destination. Et ça, c'est très très important. Ensuite, on va activer cette porte, et cette porte-là, c'est la porte du bois. Elle va générer un bois plus un bois pour chacun des bois qui est représenté dans les cartouches ici. En plus de ça, à chaque fois qu'on active une porte, si on a des personnages qui ont été construits, des personnages qui ont été construits en quartier, eh bien, ils vont activer leur effet, le cartouche qui est à l'endroit supérieur ici. Donc là, je récupère trois bois, je n'ai pas de personnages à activer ici, mon tour est terminé, on peut passer au tour du joueur suivant. Troisième action qu'il est possible d'effectuer, vous avez la construction. Lorsque je veux construire, comment je fais Eh bien, je vais tout simplement devoir payer le coût qui va être indiqué sur l'emplacement que je veux construire et je vais construire la carte du dessus d'une porte. Ici, j'ai envie de construire cet officier, de le placer dans mon district. Je vais donc payer deux bois. Parfois, nous aurons un surcoût, comme avec ici euh, les casernes. Vous voyez que les casernes ici, elles vont avoir un surcoût de une pièce. Ce n'est pas le cas de mon officier que je vais venir placer ici. Et ainsi, à chaque fois que je vais activer le, la porte du bois, eh bien, il va produire son effet ici. Une fois que j'ai fait ça, mon action est terminée, on peut passer au joueur suivant. Il y a deux actions gratuites que vous pouvez employer une fois par tour. La première, c'est de dépenser deux pièces pour récupérer la ressource de votre choix. La deuxième, ça va être de dépenser deux pierres pour acheter la carte du dessus d'une porte d'un adversaire. Et la placer dans votre main. Si cette porte avait trois cartes ou plus, et eh bien cette action ne vous coûte qu'une seule pierre que vous donnez à la réserve. Voilà pour le principe du jeu. On va donc jouer en manche et à la fin d'une manche, on va vérifier qu'un joueur ne mette pas fin à la partie. C'est-à-dire que s'il a construit neuf bâtiments ou plus, et eh bien la partie s'arrête. On compte alors les points. Les points vont être comptabilisés en fonction des cartes jouées. Les cartes de premier rang valent 1 point, sur le deuxième rang elles valent 3 points et sur le troisième rang elles valent 8 points. On va avoir des bonus si on a 3 personnages ou plus sur le premier rang. On va avoir des points bonus également si on a un personnage, une carte à effet permanent et une carte à point de victoire, une carte de fin de partie sur le deuxième rang. Et enfin, toutes les ressources et toutes les cartes qui nous restent en main vont faire des points au tarif de 1 point pour chaque 3 éléments de ces types. Enfin, les cartes. Points de victoire qui ont été marqués nous font des points en fonction de leur scoring. On va additionner tout ça pour avoir les scores totaux de chaque joueur et le joueur avec le plus grand score l'emporte. Voilà pour Shangan, c'est donc un jeu dans lequel vous allez essayer de construire un moteur en jouant des cartes sur des portes et vous allez devoir vous débarrasser de ces cartes à certains moments pour les construire et donc ralentir potentiellement votre moteur. Mais attention à vos adversaires qui pourraient convoiter les cartes qui vous intéressent également. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.